Stop, stop, stop. Ça y est, septième jour de Ramadan. Non, 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 je vous jure, non, non. Il me l'a promis. Il me l'a promis. Ça, il me l'a juré. Il me l'a juré qu'il allait le faire. Septième jour, ça y est, ça y est. On l'a ramené voir un imam, un talib et tout ça. On est parti. On l'a ramené chez tous les gens possibles. On l'a même ramené chez des sorciers pour qu'ils puissent justement faire enfin le Ramadan. Et on y croit tous. On y croit tous parce que aujourd'hui, on ne l'a pas vu de la journée. Je reviens. Un petit pouce bleu au passage. Allez, sort de là. Hé les gars, le panier à linge, c'est pas une option, bordel de merde. Putain. Voilà. Là, on sait qu'il n'est pas là. Kili, l'armoire, je la vois, Ayam. Lay. Wesh. Wesh. Oh, sort derrière de la télé, sort. Derrière le... Wesh. Wesh, regarde. Hé, hey, Kelly, te... Vas-y, bref. Hé, hey, toi, mon gars, je vais te faire ramasser tes slips, toi. C'est pas possible. A'oudou billah, minash shaitanir rajim. Wouah. Attends. C'est simple. La question, elle est simple. Elle est aussi simple que bonjour. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Non. C'est ma question préférée. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Non, mais qu'est-ce que tu es en train de faire avec tout cette... Nat, attends, forte à main droite. Waouh. Là, t'as une... Mais t'allais la manger, t'allais la manger. T'allais... Là, t'allais pas la manger, là. Là, t'allais la remettre dedans. Attends, je peux savoir c'est quoi ce festin droit? Sneakers. Twix. Nestlé, les barres de... T'allais te goinfrer de tout ça, là? Non, c'était pour piéger Dieu. Attends, c'est un... T'as dit quoi? C'était pour piéger Dieu. Pourquoi? Parce que si Dieu vient dans le salon, bah, il va vouloir regarder la télé. Et si il regarde la télé, quelle série il va regarder, à ton avis? Netflix. Et si il regarde Netflix, bah, il va prendre à manger pour regarder la télé. Et du coup, bah, il passe dans le salon, il se dit « Oh tiens, il y a à manger par terre, je vais prendre à manger. » Et comme Dieu, il a faim, bah, il fait pas attention qu'il y a quelqu'un qui est caché dans la bouffe. Du coup, il prend la bouffe, il prend le tour, il se cache sur le canapé. Comme la télé, elle est là-bas en face, il voit pas ce qu'il y a dans son dos. Moi, du coup, je peux manger mes chips tranquillement. Et comme ça, il voit pas quelque chose. Donc là, astaghfirullah, yarbet, de ce que je veux dire. Là, pour toi, Dieu, en gros, il serait assis là, ici, sur le canapé, il serait de dos, il t'aurait pas vu, c'est ça? Parce que les dieux, ils ont des yeux que dans le visage. Toi, t'as vraiment cru que le bon Dieu, c'était un pote avec qui tu pouvais jouer au foot? C'est pas possible. Astaghfirullah ya rabbi alamin. Ouah Kenny, mec, c'est... Eh, khouya, c'est plus à manger, là. C'est un festin droit que t'as fait. Mais en plus, t'as mis que des sucreries. Tu m'avais... Kenny, tu m'as dit, ouais, le septième jour, promis, je le fais. Pourquoi tu le fais pas? Juste 24 heures. Le septième jour, dans l'année, ça représente le dimanche. Et dimanche, c'est le jour du repos. Donc si Dieu regarde pas la télé, ça veut dire qu'il fait une sieste et il se repose. Dieu, c'est le jour du Seigneur. Le dimanche. Du coup, Dieu, il dort et moi, je peux faire ce que je veux. Il y a 2 ans, Kenny, il y a 2 ans, je te rappelle, je te signale, on t'a retrouvé dans un frigo. On rigole pas parce que truc. Voilà, je te dis, on t'a retrouvé en dessous du table avec une boîte de nuggets. On t'a retrouvé dans une baignoire avec une pompote de pommes. Oui, mais Dieu dans le frigo, il pouvait pas. Ouais, mais frère, Dieu par-ci, Dieu par-là, Dieu ici, Dieu sur le canapé. Dieu, il marche, il regarde pas en l'air, il regarde pas, wesh. C'est ce qu'il a fait pour me punir, je crois, parce qu'il m'a vu une seule fois. Pour me punir, il m'a juste donné une meuf qui m'a trompé pour d'autres. Astaghfirullah ya rabbi alamin. Ouah la chétan. Toi mon gars, le paradis, c'est le dernier de tes soucis. Ah ouais. Ah le paradis, Nico Mouk. Astaghfirullah ya rabbi alamin. Toi, ton enfer, il sera en mode VIP. Tu sais, un tapis rouge, la Royal Air Maroc. Tu sais, première classe business, mon gars, je te jure. Putain. J'en veux pas, frère. Garde l'air. Oh là, mets les dans ton huc. J'en veux pas. C'est pour les rôtés. Pour les rôtis, mec, attends, la vie de ma mère, j'ai jeté un coup d'œil au frigo, savoir ce que t'as pris. J'ai fait. En plus, t'as fait les courses hier, bordel! Quoi? Waouh, hé!
Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En un jour, vous avez tapé 11 canettes. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je les compte, hein. 16, attends, 16. Tu sais pourquoi 16? Regarde, attends, fais voir, t'as combien de canettes Red Bull là, fais voir. Voilà, déjà la première là. Tu vois, regarde, même pas discret, tu vois. Regarde, une là. Une là. C'est putain. Eh, vous avez bu 16 canettes en 24 heures. Y'a pas de Jawed. Il est pas là, Jawed. Il est où? Non, mais Kelly, non, mais c'est. Oh là, ça, regarde. En 24 heures, mais je m'en fous, moi. Ça, c'est dedans, mais Jeanne d'Arc. Et Jésus lui ont mis sur une branche. Astaghfirullah, yarbi, non, astaghfirullah, non, non. Vas-y, bref, vas-y. La menace! La menace! Allah, yarbi, anamin. La menace!